C'est au cœur de la nature hostile du sud de la Thaïlande que 14 volontaires accroient leur petit confort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Se lancent le défi le plus incroyable de leur vie. Survivre avec le strict minimum et devenir de véritables aventuriers. Bon, les gars, viens, on essaye de pêcher, quoi. Tu crois que je m'appelle Mowgli ? Répartis en équipe de deux, les apprentis aventuriers sont loin d'imaginer ce qui les attend. Oh la vache ! Ouais, ça va être dur, en fait. Maëva, la belle Marseillaise au tempérament de feu, va devoir faire équipe avec Greg, un duo explosif pour le meilleur et surtout pour le pire. Ils sont l'équipe rouge. Trécia, plus habituée aux boîtes de nuit qu'à la vie en pleine nature, est venue relever le défi avec l'inimitable Vincent, alias Shogun Tonight, son ami de toujours. Ils sont l'équipe orange. C'est nous ! Sébastien, le beau gosse célibataire made in America, revient bien décidé à remporter la victoire. Et pour y arriver, il va devoir allier ses forces à la très jolie Natania, elle aussi célibataire. Ensemble, ils forment l'équipe noire. Nous les noirs, on est des guerriers. C'est très sûr de lui que Ilan se lance dans l'aventure, mais pour lui, la survie ne sera pas le seul défi à relever. Il va devoir former une équipe solidaire avec son ex, Ilona. Ils sont l'équipe blanche. Marvin le guerrier est venu déterminé à relever tous les challenges, mais pas seulement. C'est en effet avec l'espoir secret de reconquérir le cœur de son ex, Maëva, qui se lance dans l'aventure. Ensemble, ils sont l'équipe jaune. Sarah est venue dans la compétition avec la ferme intention de montrer à tous de quoi elle est capable. Elle va devoir faire équipe avec le beau Jonathan. Célibataires tous les deux, ils ne se connaissent pas, ils sont l'équipe rose. Très bien. Sarah, quel est notre métier ? Cynthia, la princesse venue du Liban, s'apprête à vivre l'expérience de sa vie loin des strass et des paillettes. Et pour surmonter cette épreuve, elle va devoir compter sur son équipier, qui n'est autre que son ex, Anthony. Malgré leur rancœur, ils vont devoir former l'équipe bleue. On va tout donner ! Qu'ils soient heureux ou désespérés par leur binôme, c'est ensemble que les apprentis aventuriers vont devoir faire face à l'adversité. C'est la dèche. Tu me laisses crever de faim. C'est une catastrophe. J'en peux plus. Tu veux la sonner, va la sonner, ta cote. Ne craque pas. T'en es marre. Ça va s'arrêter quand? Qui n'a pas mangé? Ah ouais. Il y a rien. Moi j'ai mangé. Et ce n'est vraiment pas gagné. Continue. Allez. Une fois par semaine, les équipes vont s'affronter lors des grandes épreuves dans l'espoir de remporter les précieuses perles. Presse, dommage. Faut pas négocier une en plus. Ces perles leur permettront d'acquérir de la nourriture et du confort chez l'épicier de la plage. Il y a des frites, mais... Mais prends oignon, tomate, carotte. Comment ça, il y a combien la tarte? 40 perles pour le poulet. Pour échapper à la redoutable élimination qui les guette chaque semaine lors de la grande cérémonie des votes... Toi, ferme ta bouche. Les apprentis auront la possibilité de remporter ma protection en sortant vainqueurs de l'épreuve de l'expédition. Allô, c'est bonjour. Pour ceux qui n'auront pas cette chance, chaque semaine, les deux équipes qui auront accumulé le plus de votes contre elles devront combattre en duel. Ils sont dans la tête. Pour les perdants de ce duel, l'aventure s'arrêtera sur le champ. Enfin, c'est ce qu'il croit. Car cette année, sans que personne ne le sache... Je vous envoie faire vos preuves sur la plage de la dernière chance. Les perdants des duels seront envoyés sur la plage de la dernière chance. Aidez-nous ! La solitude totale. Une plage hostile, aux conditions de vie extrêmement difficiles, sur laquelle les éliminés devront plus que jamais faire leurs preuves. Survie, solitude, épreuve, élimination... Sur cette plage, une seule consigne, tenir bon. Car à la fin de l'aventure, l'une des équipes encore présentes sur cette plage aura la chance de réintégrer la compétition directement en finale. Hein ? Un retournement de situation qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Tu as perdu. Vas-y, viens. Ferme-la. Ça, Satan. Arrête de parler avec moi, voilà. Pardon ? Quoi, pardon ? Tu veux que je te dise dans quelle langue ? Bouquet ! Tu ne vas pas comme ça, Marvin. Et on va tous vous sortir un pain. Ah ouais ? Oh, happy day. Durant plus de 20 jours, les apprentis aventuriers vont se découvrir solidaires, stratèges... Attends. Quoi ? Qui t'a dit ça ? Je balance pas. La vie de ma mère. Tu dois arrêter de me calculer. Non, je te calcule jusqu'à la fin de l'aventure parce que je t'aime. T'inquiète pas. Et certains vont même trouver l'amour. La chose la plus dure que j'ai dû encaisser dans ma vie, ça a été de perdre avec toi. Voyons, j'ai juste
une envie, c'est de la récupérer. Mais pour tous, l'aventure sera celle d'une vie. Et c'est ensemble qu'ils vont apprendre à ne jamais renoncer. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs galères. Eh ben, bon courage. Lundi 13 mai, 18h50, découvrez la nouvelle saison inédite de Moundir et les apprentis aventuriers.